Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipiès, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est avec plaisir qu'on accueille ce matin le sénateur, pasteur Andris Richer sur le plateau de la rubrique Le Point pour quelques commentaires, je dirais même quelques réflexions sur la situation du pays et même, je dirais, sur la crise que traverse le pays. Ça fait déjà des mois, 6 ou 7, avant l'assassinat du président Jovenel Moïse, qu'il était passé à la rubrique Le Point. Et les gens sont toujours contents, ils font montre de contentement chaque fois qu'on annonce le passage sur le plateau de la rubrique Le Point du sénateur Richer. Bonjour, pasteur, merci de votre disponibilité. On va le faire comprendre matin, là. On va le partager avec nous, je vais comprendre. Ça a passé pays, la crise dans sa globalité. Bonjour, bienvenue. Bonjour Wendel, bonjour, bonjour tous les amis Métropolio, radio, tout comme télévision. Et effectivement, ça fait un bon bout de temps que Matlam a fait un petit déplacement pour à la fois traitement et écho. Me pas de passé et je me suis tué aussi pendant un certain temps parce que je ne me suis pas exprimé ni ici à Métropole ni ailleurs parce que depuis quelques confusion. Et depuis quelque temps ou quitter prérogative ça pour Métropole. Bon, de toute façon c'est bon toujours aimer les passer là parce que premièrement l'accueil est toujours chaleureux et puis j'aime la façon dont les choses se font ici, parce qu'il y a quand même un certain respect. Puis, il y a aussi ce que j'appelle une tentative de construire quelque chose, parce que nous sommes dans un vide total actuellement. Je dois vous dire que c'est vrai que moi, j'ai passé toute ma vie à lutter pour la liberté de la presse, l'expression populaire, etc., que tout le monde arrive à s'exprimer, etc., mais il faut aussi reconnaître que les choses, et tout comme le développement en général, c'est quelque chose qui est supposé faire par étapes. Lors, pour te bouer au seul coup, et ben, c'est la catastrophe. Et capable de presque dans sa nuit jeudi à la. Nous à partager une catastrophe, dans des zones, dans l'anarchie, sénateur. Mon cher. Bab dit que ce n'est pas seulement dans le désordre, mais dans ce qu'on appelle manque de vision, c'est-à-dire manque de projet. Nous sommes un peuple sans projet. Nous sommes un peuple qui n'a pas de vision. Avons fait quelque chose d'extravagant. Ce n'est pas au peuple d'avoir une vision, mais c'est aux dirigeants d'avoir une vision. De toute façon, les dirigeants sortent du peuple. Oui. Ce ne sont pas des créatures spontanées, c'est-à-dire que c'est ça qui est là, je vous dis à la base. Peuple a besoin de guide. Le guide doit être né, c'est-à-dire qu'il faut sauter dans la matrice du peuple-là. Ça veut dire que c'est à partir du constat qu'il fait. Par exemple, un simple animateur dans une zone, ou un animateur dans une zone, eh bien, il a le droit, par exemple, de venir au leader. Un curé qui doit venir au leader, un pasteur qui doit venir au leader, un professeur qui doit venir au leader. Ça dépend de l'ambiance et dans laquelle que lui engage au service de son pays. Oui, mais on dit tout que le peuple a le gouvernement qu'il mérite, non? Je dirais que c'est parce que c'est tout simplement bah, le peuple là. Vous vous mettez par exemple à traîner du peuple, oui. Mais par exemple, je vous dis, le cas d'Haïti, Haïti a besoin d'une avant-garde. Les besoins des citoyens et des citoyennes avec une vision de rassemblement pour un véritable réveil patriotique. Parce que je vous dis, le patriotisme est mort en Haïti. Et la citoyenneté mourit avec tout.
parce que les Haïtiens ne participent rien du tout pour redorer blason pays. Et c'est ça qui fait que ouais, nous avons toute catastrophe ça, parce que nous arrivons au moment, nous pas gagner, c'est-à-dire pays a une sorte de faiblesse théorique. Les gens, théorique là, c'est pas comme si Mdadou être docteur en ceci ou docteur en cela, non. C'est-à-dire, c'est un courant de pensée qui permet que citoyens réfléchissent à propos des intérêts de sa nation, de son pays, de sa patrie, de son peuple. Maintenant, je me compte que ça sorti, sénateur Richer, parce que normalement, nous battons comme ça. Mon cher. Ou bien, donc peut-être qu'on était comme ça à un moment donné, mais pendant un certain temps, sans se dénoncer la absence de patriotisme et de civisme, t'es gagné. Nous t'es gagné l'impression que l'Haïtien t'es fier de drapeau, t'es fier de pays. Je dis, hein, c'est le contraire que nous avons observé. Ça, Haïtien a fait, je dis, hein, image que Haïtien a voyée à l'extérieur, sénateur. Il n'y a pas bon l'impression que c'est des gens qui tiennent à payer. Non, c'est qui mêlé. Mais si la fierté n'est pas marchée avec des actions concrètes, ça veut dire être fier de quoi? Je suis con, ma gueule. Ou qu'à compter sous doué tout en Haïti, combien de petits gens qui ont levé et qui ont maman la payé impôt, qui ont maman la payé de l'eau, qui ont papa la payé électricité. Or, à partir du moment que ce minimum de citoyenneté, pas vivre dans la famille, comprendre, c'est-à-dire le respect de contribution générale pour construire un État, pour construire une nation, pour faire avancer un pays, s'il va exister, eh bien, à ce moment-là, cette fierté, c'est pourquoi. Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé en 1983, je crois, 83 ou 84. Un beau matin, les gens qui vendaient dans les marchés publics, que ce soit dans les marchés ruraux ou bien quoi, Boursal, n'importe côté, étaient qu'on payait 20 centimes. On voit 20 centimes, non, c'est ton petit 4 contributions, t'es qu'on bail et puis on paye 20 copes. Et non, l'IS populaire, bah, est populiste. Et Jean-Claude Lévon, matin, il coupe. On va dire, il coupe. C'est ton minimum, c'est-à-dire que mon entrée dans ma chia, il sale, son lieu public lié. L'Iavana, il sale zone, non, son lieu public lié. C'est normal. Si maintenant il doit y avoir quelqu'un qui pour nettoyer ce espace-là, il faut maintenant participer. Maintenant, on est l'un populiste, on prend et puis d'ailleurs, mais aujourd'hui, qui s'accrivait? Même ma chambre, ça, c'est vagabond qui a pris son aile. Chaque samedi, chaque vendredi, chaque matin passé, vient toucher dans mes mains. Tandis que, il était contre l'État 20 centimes. Même l'État, pour me dire que comment l'eau chita non, ou à vivre non, ou à bien ce côté que personne par contre ça a fait. Parce que nous n'avons jamais pensé à construire un État, un véritable État, nation. C'est-à-dire côté que les gens sont responsables, les uns envers les autres. Pour nous construire un bagage, on ne l'a pas fait. Et puis, depuis notre naissance, tout. Avenir nous, c'est-à-dire mental nous, cet aspect théorique pour nous penser pour nous-mêmes, construire quelque chose pour nous-mêmes. C'est dans le même monde nous t'es la gueule. Toutes les écoles en Haïti étaient des écoles congrégationnistes, c'est-à-dire qui étaient dirigées par des mépétés qui sont nos voleurs en général. Eh bien, c'est comme ça et mentalité nous a servi. Et c'est au bras le que, parce que la majorité des gens qui ont pris le pouvoir dans ce pays, c'est des gens qui ont reçu ce genre de formation et des formations éphémères qui pachita sous, comme si Mnadou, cette construction de la pensée nécessaire pour aller vers le développement, la cohésion de notre peuple, comprendre la consolidation, comprendre de notre envie, de notre engouement pour nous faire un pays. Donc je dis à là, mais côté nous arriver. 7 juillet, on va dans Haïti. Mbatla. 6-7 juillet. Malheureusement, Mbatla, Mbatla en Haïti.
Mais il faut me dire que je. L'autre nouvelle là, où t'es quoi? Dans un premier temps, bon, comme normalement, c'est. Quand on m'a appelé, c'est la première question que je me posais, mon ami, est-ce que c'est vrai? Je dis, mais c'est le Caraïbe qui a baillé là, je suis le Caraïbe qui t'a attendu. Et je dis, c'est le Caraïbe qui a baillé là, etc. Bon, bref. Et puis, autrement, je suis allé sur Netshow pour me regarder, etc. Et puis, moi, nouvelle, et puis, me regarder, moi. On va même jouer avec le sénateur Anna Cassis. Ça vient. Non, vous dites que vous êtes sur Netshow, vous vérifiez. Bon, Anna Cassis, c'est un grand galier. Si je me passe pas pour le voir si c'est vrai. Même si je suis allé à Romali pour me regarder parce que je connais mes terres de l'IA. Mais ça a été vraiment un choc pour moi. Un choc. Et ça a confirmé une série d'idées que j'ai dans la tête. Moi. C'est-à-dire, quand j'ai appris la manière dont le président a été assassiné, c'est-à-dire que mutilé, je dirais même, et là où cela s'est passé, c'est-à-dire, oui, c'est pas dans la rue. Si c'est dans la rue, par exemple, on a l'impression qu'on s'est passé, ou qu'on comprenne qu'effectivement, il y a des gens qui aspirent à prendre le pouvoir et qui, généralement, passent par tous les moyens pour avoir le pouvoir. Ils ont assassiné le président pendant la front meeting, ou bien assassiné pendant qu'il a passé en route, etc. Mais aller jusqu'à l'intérieur de sa chambre pour le prendre, et en même temps, pendant que normalement la nation, parce qu'il est le premier citoyen de la nation paye près d'une vingtaine ou trentaine de personnes pour surveiller. Non seulement le surveiller, mais surveiller l'espace côté la vive là. Et que ce soir-là, vous vous rendez compte qu'il y a eu un abandon total. Donc ça veut dire que c'est la souveraineté même de la nation qui est en jeu à ce moment-là. C'est-à-dire le pays a cessé d'exister ce soir-là. Oui, mais notre suspens existait depuis avant. Bon, écoutez, il y a eu des événements de ce genre, par exemple, effectivement, en 1806. L'empereur est mort, il a été assassiné. Et même après son assassinat, il a fallu attendre peut-être près de 50 ans, 60 ans, pour ne pas te parler de l'empereur dans le pays. Mais, ok, entre-temps, il y a eu un réveil. Dans les années 1911, 1912, 1913, une tentative de reconstruction nationale qui t'a faite. Comprendre? Et nous t'es commencé à ça, malheureusement. En 1915, il y a eu ce débarquement, qui retournait, craser l'ordre organisationnel qui t'a fait pour le réveil citoyen, et ce réveil patriotique du peuple haïtien, il cassait dans rien. Ça a duré près de 19 ans. Et on a recommencé. Il y a eu, entre-temps, il y a eu des assassinats, bien sûr, de présidents, etc. Oui, mais ça passait là, j'en le fait là. C'est-à-dire, c'est un message qui est lancé. Je ne sais pas qui est derrière tout ça, mais le message est clair au peuple haïtien. Vous dire, écoutez, vous te commettez impertinence, vous déclarez que vous êtes indépendant. Nous maltraitons pendant 200 ans. Et qu'on y a là, voilà que de votre sein, APC est sorti des Spartacus qui pensaient que yo cap vin changer la donne des choses. Question à jeudi, c'est pas de dire que Jovenel est mort parce que il y avait question de drogue là-dedans, Jovenel est mort parce que tel nègre te voulait prendre pouvoir, etc. Non. C'est plus profond. C'est avilissement, peuple haïtien. La mort de Jovenel, son façon pour yo avili nous, pour dire nous que vous n'êtes rien. Non mais... Taisez-vous. Non mais... Oui, mais c'est des Haïtiens participés, tout. Mais justement, c'est-à-dire que des chiens de garde, il y en aura toujours. Et c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, la nécessité d'un réveil patriotique se fait sentir. Je dis à la Sionek, dit, non, ça lié là. C'est-tu au droit que je m'y mette, que m'a cherché? Je me fous comme là. Si c'est ça que m'a cherché, vous êtes un chien de garde. C'est-à-dire quelqu'un qui participe à l'anéantissement de ce pays. Le pays est en train de s'anéantir, c'est-à-dire la plongée dans le gouffre. Et il y a des gens qui prennent un certain plaisir pour y participer. Des Haïtiens, bien sûr.
Parce qu'il y en a toujours eu comme ça. Parce que vous vous rappelez, les Noirs qui ont effectivement fait l'indépendance, c'était les Bossales. Vous voyez, marron, yo. Parce que, n'est-ce qu'ils ont commencé à adapter avec Blanc, qui ont commencé à adapter avec Maître, là, qui ont commencé à adapter, connaissez à franchir, c'est mieux là que et puis, ils ont commencé à ajuster quoi, yo. Et bien, n'est-ce pas, mais c'est vous-même qui pouvez mener le pays, là. Parce que c'est vous qui avez lu. Et ils ont mené nos politiques tout, dès le lendemain matin, d'ailleurs, après le 1er janvier 1804. Ils te font façon pour que tout le monde t'en coupe mieux, sans dire une montée dans le vivre. Et jusqu'à pendant longtemps, au moins, les gens qui vivent en dehors, c'est comme le mot l'indique, ou en dehors, ou pas là-dedans. Même l'école n'a pas gagné dans les sections communales. Il n'y avait rien. C'est-à-dire que c'est dans les voisinages de toi, petit bougade, qui te connaissent l'école. Mais si on l'école, tu es arrivé dans le préparatoire 1, éventuellement dans l'élémentaire, ou bien certificat. Donc c'est pour vous dire que c'est un pays comme Simdado qui est dans une situation désagréable totale et qui m'a dit aujourd'hui. Ce n'est pas de dire que je me fais tirer comme ça, l'autre là dit me fait tirer comme pam, et puis chaque monde a cherché un petit côté pour placer tête. Yo. Le pays a besoin d'un réveil patriotique, d'une conscience citoyenne pour nous camper le pays en l'autre gens et faire face à ce malheur pendier qui nous a suivis pendant 200 ans. 200 ans, mon frère. C'est grave. On prend une pause, sénateur. Allons-y. Et puis, on va retourner après pour essayer de comprendre plus. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le sénateur Andris Richer. Merci de l'intérêt et à tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, le pasteur Andris Richer. Pasteur, et tu n'as pas les noms de gens qui comprennent ce qui passe. Hein. Mais j'en parlais, c'est comme si je me disais là. Il y a un secteur qui fait haïtien payer le fait que nous avons déclaré l'indépendance non bien bonheur. C'est bon, secteur, c'est-à-dire qu'il y a une coalition. Parce que haïtien n'a pas fait seulement. Par contre, si vous rendez compte de ce que Haïti a fait, c'est-à-dire que Haïti, je veux un moyen, il prend l'indépendance en 1804, ça a été une première. Mais non seulement ça, Haïti est allé encore plus loin. Haïti développait une théorie économique très tôt, même avant Karl Marx, qui c'est la coopération sud-sud, qui c'est une condition sine qua non, qui va le faire Amérique latine, on prend les certains pays noirs, parce que Haïti va participer dans les genres de coopération, ça, hein, va le bailler. L'argent, tout ça capable pour que l'I favorise l'indépendance pays ça dans l'espoir que ces pays seront à leur tour capables d'aider les mêmes Italiens doivent commercer ensemble avec eux, etc. Mais le racisme a pris le dessus dans tout ça. Même à la création de l'OEA, Latino-Américain ou pas de vouloir Haïti, une môme, non? Parce que Haïti était un pays de nègres. La leçon que nous avons donnée en tant que nation, peuple nègre, si ils étaient quittés nous, avancer dans la logique, ça, hein? Nous avons dit une trop pour le monde là. Les Africains ont gagné nous comme modèle. Les Noirs américains ont gagné nous comme modèle. Les Antilles ont gagné nous comme modèle. Donc nous avons un peuple extrêmement puissant et fort. Et par-delà, la race noire en général. Et nous n'allons plus loin encore, parce que c'est de Haïti que la notion, la véritable notion de liberté est sortie. Vivre libre.
son groupe délié. Oui, mais là encore, c'est... Alors, où, il va y avoir une sorte de combinaison. Son, mais son groupe haïtien qui voulait le concert, et ce groupe, ça n'est pas, pas en pile. Parce que malgré toutes belles paroles, ça a dit, hein, on a toujours joué des haïtiens qui fait corps avec le même secteur ça pour mettre en application modèle crabe là. Mais ça me dit, oui, ça veut dire que puisque il y a eu cette alliage actif fait là, c'est pas une coalition, non, c'est un alliage lié dans le sens que ils ont quand même couché nos filles, ils ont fait petit ensemble et Timoun Zayo, ils ont bâillé une série de privilèges. Et d'ailleurs, ils ont parlé de métis, ils ont parlé de mulat, ils ont parlé de... Et au lendemain de l'indépendance, ils ont même encore presque hérité les biens de papa et maman. Et puis, ils ont parlé constitué automatiquement une couche aisée par rapport, on prend, à la majorité du peuple. Et c'est ça qui fait que, au lendemain de notre indépendance, ils ont parlé fait nous opter pour religion colon, ils vont faire nous opter pour langue colon, ça veut dire les pratiques, toutes pratiques colon, pratiques culturelles colon, c'est lui-même nous va le faire. Donc c'est comme donc si nous-mêmes nous que... si nous n'avons pas existé. Mais non, c'est-à-dire, race noire là, eh bien, ils ont presque voyé l'en dehors, à le cacher en dehors. Oui, mais c'est même nous-mêmes encore, même nous-mêmes race noire encore, ils ont tout visé l'autre. Eh bien oui, quand il y a là, et alias à Bralvin Fête, quand il y a tout le monde, nous vînes au lieu que, en 1804, nous entrons dans le processus de la construction d'un État-nation, c'est-à-dire avec notre langue, notre culture, le respect de nos pratiques ancestrales, au lieu que nous entrons dans la logique ça, et bien nous allons laisser copier. Et puisque normalement, pour nous copier, ce n'est pas facile de copier. Parce que pour copier, il faut rien homme. Eh bien, il prend le fait que nous traînons les gens et nous traînons là. Nous traînons. Et le système nous prend le créer une série de petits avantages, bah, des petites bourses d'études, une série de petits bagailles, pour chaque fois les rendre compte qu'il y a des éléments intelligents, des éléments capables, on prend une capsule dans la matrice peuple-là. Eh bien, vous cherchez, vous topiez lui. Et vous allez nous compte que bagaille a suivi nous jusqu'à jeudi. Par exemple, regardez bien pour jeudi ça qui a passé. Haïtien incapable de réflexion. Il n'est pas foutu à faire une réflexion pour aller droite là-dedans. Parce que le tellement gagné, comme si Mnadou, monde li gagne à revoir avec vous, il n'est pas capable de continuer nos réflexions. Regarde ça qui a passé pendant 4 ans dans le pays. Une équipe nègre prend le pays, aucun bien en otage. Yo sale pas ta pays, yo détruit pays, yo crasé jeunesse pays. Et je dis, regardez, yo, regardez côté, vous voyez. Oui, bon mais là, chaque encore. Chaque petit côté pour fourrer quoi, yo. Là, très encore. Vicieux, là, bon grand, sans personnalité. C'est ça, l'exemple qu'a fait, je dis, là. Un pays avec des hommes et qui pas gain, qui pas fait montre de personnalité et puis cap. Malheureusement, à cause de peuple là, son peuple qui inculte, son peuple qui, sans connaissance, yo charrie le côté yo vle, eh bien, n'importe vagabond, dit toi vagabond, qui paraît là, quand il dit, Martin, nous n'avons pas quoi, pour venir, venez de me craser. Et puis, il y a le craser. Et pendant ce temps, l'association des criminels notoires, ça y a fait, ils ont constitué des gangs à travers le pays, hein, pour contrôler le pays, hein, retirer le pays dans l'État. Profiter de détruire l'État en général, et puis qu'on y a créé une atmosphère de gang, de criminalité absolue, un bagage de transnational qui a réglé dans le pays là actuellement. Ça veut dire que Haïti n'a pas un contrôle, rien du tout. Notre armée, longtemps, un gendarme campé là, sous Delma là, mettre là, il doit contrôler jusqu'à l'aéroport. Et bien, je dis à la mettre là, où est-ce qui a passé dans le pays? Ça veut dire que l'État a disparu. Pas qu'il y a l'État encore. On dit là, mais nous avons gagné, nous avons détruit. Vous comprenez? Longtemps ou en deux, vous mettez là. Vous n'avez pas été dans une zone. Chef section n'a pas besoin de déplacer, non? Il y a là à moi, il seulement dit, il m'a dit, monsieur, viens, je viens. Vous choquez là, vous êtes. Oui, vous venez dire ça, ça vous venez faire dans la zone. Eh bien, je vous dis à là, par exemple, toute zone dans le pays, il y a un petit groupe gang
qui a opéré. Le pensez, pays comme... est vilipendé. Comment pensez-vous qu'on a résolu le problème ça? Le problème gang tout pas toi. Moi, je dis déjà. Il nous faut un réveil patriotique. Il faut que les Haïtiens se réveillent. Oui, mais est-ce que ça va suffire pour faire des gens qui ont kidnappé les gens, qui ont fait l'argent? Est-ce que ça suffit pour mais c'est ce réveil patriotique qui va nous. Est-ce que vous pensez que ça suffit? C'est ce réveil patriotique qui va nous permettre de désigner maintenant comment faire, avec qui le faire. Vous comprenez? C'est-à-dire que il y a des chars qui contrôlent le bourreau et vont chercher soutien pour porter les chars là. Ou chercher les gens qui peuvent aider au potil. Et dans le cas ça, hein, ça devrait être une sorte de prise de décision nationale. Parce que ça ne peut pas développer là, mettre là. Ça fait beurre. Ça fait beurre en série de monde. Parce que tant que vous avez Haïti à effondré, vous êtes bien content. Tant que vous avez Haïti vin, je dis à un Haïtien par exemple, paraître dans un aéroport, même si vous avez l'île en Melongue, depuis vous avez le contact de vini. Parce que c'est on va son intrus lié son haïtien vient sans personnalité, haïtien vient pas camper sous moyen, haïtien pas qui personne qui va protéger, haïtien pas qui quelqu'un qui va défendre, haïtien continue à dire que son kidnappé lié, haïtien son est capable sauver quitter pays. C'est ça nous vigner aujourd'hui hein. Et type de bagaille ça yo, c'est haïtien maintenant qui pour prendre conscience. Est-ce que n'a continuer naviguer dans ce sens ça? Mais c'est réveil là, même beaucoup ouais qui j'en parle fait là réveil pas patriotique là. Mais réveil patriotique là, il est capable de faire. Regarde un bagage qui passait là. Après, M. Izo, matin, à la salle, quand il dit. Après, M. Izo dit bon, écoutez, ça fait 11 jours, moi, nous, souffrir. Nous décidons matin, on m'a aidé, nous. Vous comprenez? Nous mettre passé si nous voulons aller au CAI. Nous mettre passé si nous voulons aller à Jérémy. Vous comprenez? Voilà. Mais voilà le pays dans lequel vous vivez. Oui, mais ça, c'est pas réveil. Pendant, non, mais écoutez. Écoutez, c'est action non, individu. Mais, non, c'est pas une action individu. Si c'est ton bagage ou moins individu, et bien moins individu, tu as marché pour un individu. Ah. Mais écoutez, quand ils ont dit mon pape passé Matissan, ils dit mon pape passé, non seulement le peuple, la masse obéit, le peuple a obéi, et puis l'État ne bouge pas. L'État ne bouge pas. Donc ça veut dire que monsieur sont poilier dans zone là. Ben si aujourd'hui monsieur rend ni compte tout, il doit rendre compte que ça va passer à l'aide pour pays. Il peut faire partie de cette renaissance patriotique. Il peut faire partie de parce que de toute façon, construire un pays, on peut le construire avec tout le monde. Et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est-à-dire cette prise de conscience pour permettre que nous constituions en tant que peuple d'abord. C'est parce que son why nous y est aujourd'hui qui fait nous dans ça nous y est là. Why? Ou pas, c'est un why lié. Par exemple, là, aujourd'hui, tout le monde bat bravo, tonton Izo dit nous mettre passé. Vous ne comprenez pas? Peuple là, comme Jim Nadou, je me rappelle, c'était au mois de juillet, au mois de juillet de 2018. Donc, après un match au Brésil, on voit que ce soit le gouvernement, ils font une augmentation de Gaza de 20 centimes, 20 gouttes sur le galon Gaza. Et bien, le peuple a pris la rue pendant, ceci pendant près de 4 ans. Il prend la rue, il a crasé, brisé, jusqu'à arriver, on voit, à la crucifixion. Président Jovenel, mutilation. Président Jovenel, le tuer, eh bien, même peuple ça, qui t'a goumé parce que tu mettais 20 gouttes là, c'est même peuple ça tout, qui a goumé pour que l'acheter même galon gaz là, pour 500 dollars, 600 dollars, 3000 gouttes, 2500 gouttes. C'est même peuple ça, je dis hein, toujours, regardez un bagage qui passe au cap là. C'est même peuple ça, ça veut dire que c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, moi-même, même à deux, trois autres grains encore, qui n'ont pas pays. Qui ouais situation alarmante ça que peuple a vivre aujourd'hui hein, que c'est le moment ou jamais pour que nous fassions nous mettions au travail pour nous joindre une source côté pour nous passer pour nous créer ce réveil patriotique cette réconciliation Antoine, nécessaire pour débloquer pays. Antoine Souizo, c'est bon pour bagaille le fait que il dit il a annoncé que pays en Matisse a débloqué
ou mettre dans la grande danse, inter mettre dans le sud-est, ou mettre rentrer votre prince, mon cas vous mettre passer. C'est bon pour Magaï? Et ça, est-ce que vous pensez ça? Non, pose une question. Non, mais ma douce Magaï, je dis en là, par exemple, si vous êtes passé dans la zone champ de masse là, pour te voir quantité de machines qui allongent, captant vous êtes passé depuis combien de jours? Et puis, dans l'autre sens, là, par exemple, quand vous sortez dans la zone carrefour, combien de machines qui étaient allongées, qui tapent. Les gens, par exemple, il y a certains d'entre eux, qui sont des gens malheureux, qui prennent des poignards, qui tapent une vente, des bagailles, ou bien, etc., vice versa. Et bien, bon, les gens sont petits. On va répondre, non. Est-ce que ce sont des bons bagailles? Il faut que vous mangez. Dans le cas là, pour vous, pour les gens qui sont dans l'île, là. Eh bien, son délivrance pour eux, pour les petits. Et vous-même, pour. Mais pour moi, c'est une honte nationale. C'est une honte. C'est-à-dire qu'un individu puisse se tenir quelque part et l'amener pays à. Or, pendant que nous avons, pendant des années, 200 ans, n'a pas essayé de construire quelque chose, eh bien, je vous dis à la voilà, son seul individu qui campait, qui est de nulle part, je me dit, bon, écoutez, je règle ça. Maintenant, que faire? Dans ce cas-là, il faut négocier. Il faut négocier. Parce que si on veut sortir de ce labyrinthe, si on veut sortir, parce que qui sort au café? C'est marché prend. Comment on va le marché prend? Si on ne peut pas qu'on on va le marché prend. Qui est-ce qu'on va le marché prend? Cet alliage qui se fait dans ce peuple aujourd'hui, côté que le peuple a tellement un grand goût, de misère, pour qu'il fait le marché pour 100 piastres, pour 1000 piastres, pour 50 dollars, etc. Son dilemme lié. Pasteur Richer. Son dilemme. Je dis à une question, vous avez parlé de ça dans le commencement de l'émission. Gagné une question de accord 11 septembre, accord 30 août, accord Montana. Vous dites comme ça que ça n'a pas mené un pays à aucun côté. Mais un chemin inévitable, même si c'est dans quelques mois ou bien dans deux ans. Non, mais je dis que vous n'avez pas mené un pays à aucun côté, non? Non, ou dit nous besoin plus. Ces accords. Ou dit nous besoin plus que ça, nous besoin plus que accord. C'est-à-dire, nous besoin que ces accords se mettent en accord, pour créer un corps qui prêle, vigne une sorte de d'avant-garde pour diriger la nouvelle orientation que le pays a besoin. Vous pensez que élection possible, même dans un an? Et c'est ce corps-là qui va décider tout ça. Parce que c'est le poudi. Je dis à la par exemple, ma pêche pour bagaille, si vous vous aventurez à des élections dans ce pays, ils ont une élection pour député dans la troisième circonscription, la passée. Et s'il pas passé, le cas d'élection la passée. Vous ne pas comprendre. Et tonton bas, et descend, et cité soleil, yo. La saline, yo, ma connaît, si dans qui commune, circonscription, si la passée. Ça veut dire que pays à la drive. Pays à la drive. Qu'on y a là, soit fait élection, qu'on y a là, c'est-à-dire, c'est tout le monde qui gagne attachement avec les gangs, que vous pensez que nous t'as supposé détruire, t'as supposé éliminer, eh bien c'est le monde qui gagne attachement avec les gangs qui prend une possibilité pour faire campagne. Pour dans ce sens-là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien dans ce sens-là, c'est ce grand rassemblement que nous voulons qui est nécessaire pour qu'il y ait un réveil patriotique, pour que nous puissions fixer les nouvelles règles du jeu de cet État. Oui, mais pour fixer... Parce que Haïti est une république. Pour fixer les règles. Pour qu'il y ait des gens qui sont pour fixer les règles. Il faut qu'il y ait des gens pour faire appliquer, pour faire respecter. Qui est-ce qui va le faire respecter? Mais nous-mêmes qui pouvons construire ce corps nécessaire. Nous-mêmes. On peut le faire. Et ceci étant dit, par exemple, ces accords dont j'ai parlé tout à l'heure, qui existent, qui cap nager dans le bagaille là, et chercher des petits bagailles personnelles. Yo. J'ai dit que je leur demande cet élan patriotique. Oui, mais mon ça. Pour qu'ils aillent pas chita ensemble. Pour qu'ils aillent pas chita ensemble, ils posent des questions à l'autre gens. Oui, mais la nation d'abord. Oui, le peuple haïtien d'abord. Mais est-ce que le peuple haïtien. La position d'Haïti géopolitiquement d'abord. Est-ce que position haïtienne, est-ce que intérêt paysan, est-ce que le dit toujours
au centre des préoccupations? Est-ce qu'elle était toujours au centre des discussions? Est-ce que c'est l'été motivé politicien ou yo? Mais c'est ça qu'on a demandé aujourd'hui là. C'est ça qu'on a demandé yo. Pour qui ça? Les autres le font. Les autres le font. Les autres le font parce que les autres ils ont été au pays. N'est-ce pas, sénateur? Oui, mais le réveil peut se faire à tout moment. Et c'est pour ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand j'ai vu, par exemple, comment les petits, ça a identifié, et nous, nous, tout devant chaud, devant Bandan, et qui dit, 5 à 0, 7 à 0, la marche, comment il est là-bas? Et on peut nous dire, comment les il connaît les têtes d'avocat et ah mais on connaît il connaît les questions pas non André Michel bon regardez par exemple des créatures de ce genre vous comprenez mais oui mais maintenant là c'est affreux quand un pays arrive à produire des énergumènes de ce genre c'est affreux et puis voilà que mais même l'énergumène non. Ça pas veut dire que dans une discussion là, il n'y a pas de place. Non, il n'y a pas de place. Mais écoutez, là, on prend un peuple, on prend un pays, on prend des jeunes qui ont monté, etc., grandi, et puis pour faire passer des tintins comme ça, passer l'an risible comme ça, il n'est pas bon. Et je crois que je dis, il faut qu'il y ait des gens qui vous dénoncent ce type de bagage. Il ne faut pas que les gens. Regardez, ou même là, un journaliste chevronné, tant que vous ne pouvez pas prendre le nom de M. Brissa. Et malheureusement, la presse là, ce type de monde, ça, il a charrié toute la journée, il a fait parler, intoxiqué le peuple là. Vous comprenez? Ça veut dire que pour une radio sentie à la mode, il faut que pour charrier le monde, ça, il vient parler. Et puis, qui ça, mon ami, pour le dire, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de rien, sinon qu'un discours de la haine. Vous comprenez? Raïssable, ambition. C'est ce discours, ça, il y a gagné. Or, aujourd'hui, ce que nous avons besoin d'une autre forme d'engagement pour paysan. Avec des hommes et des femmes, des jeunes, qui décident de rentrer dans la logique pour nous vivre un bagage, pour nous construire un bagage dans le paysan. Parce que le pays, aujourd'hui, c'est malandrin seulement qu'à gérer. Imaginons, par exemple, où prend une équipe de campé, Yodou, Petro-Caribé. Et procès côté Petro-Caribé. Yo levé matin yo dou et justice pour Dorval côté justice pour Dorval. Yo levé matin yo dou justice pour Jean-Dominique, ça fait 20 combien années etc. Mais type de monde que vous avez développé dans le pays, des gens sans personnalité, des énergumènes venant de tout part. Vous comprenez? Des assassins, des criminels, des gens qui sont prêts à tuer. C'est ça qu'on gagne dans le pays là. Aujourd'hui, à ce que nous avons besoin dans ce pays, c'est des hommes et des femmes qui gagnent honte, qui gagnent la honte de ce qui a passé là. Est-ce qu'on peut continuer à vivre? Je dis alors pour qui pote bourré pour le fête matissant. Vous pouvez courir aller. Enfin, papa a dit nous qu'a passé. Mais ça pays. Mais le pays aujourd'hui. Pour l'argent, pour le privilège, pour une série de bagailles, ils sont prêts à faire tout, mais tout, sauf dresser visage pays. On imaginait un parlement avec, par exemple, Lamor Sanjou, député, et Iso, député tout. Et comme on dit, nous avons un pile gang dans tout pays. Hein. Comment on va penser que le pays est capable? Ou jouer calmly. Faut pas faire ça, Wendel. Faut pas faire ça. Ça veut dire que. Non, il y a des bagues qu'il faut crier. C'est question de. Oui, par exemple, des bagues qu'il faut crier. Ma petite cour. Si monsieur Zayo, bon, en fait, c'est non, entourage, environnement, côté au grandi, côté au levé, qui permet que je dis à venir dans sa rue. Parce que si, par exemple, nous partons en société, nous tenons une société de construction d'État, ou bien de nation, de peuple, eh bien, je ne dis pas que nous des toits, nous bandits, non. Mais par contre, je dis à là, faire du banditisme en sorte de gestion d'État, et ça vient grave. Par exemple, là,
Nèg la dou que bon écoutez m'a bay gaz. M'a bay gaz. Et puis camion descend et vient aller au bay gaz, j'ai metté dans pompe. Nèg la dou bonjour dia m'a bay passé. Et puis bah, et sans jou camper dou bon écoutez m'gal bay un petit trèvou pour Noël la lame qui veut acheter salami et Saint-Domingue met aller. L'arrivée dans une situation comme ça, c'est un pays dans lequel on consacre à vivre. À ce moment-là, maintenant, ça posait des questions. Pasteur Richer, petit tout. D'aller alors, tout il est venu là, bon Dieu, mais ça fait poser aux questions. Ok, n'a pas parlé de Monsieur Sayo, n'a pas parlé de l'homme sans jour, de Iso et autres qui occupaient le devant de la scène à travers Action. Yo. Mais est-ce que non, l'autre niveau, pas de gain d'autres bandits? Par exemple, le sénateur, t'es monté, voyez, pour vous en bas. N'est-ce pas? C'est ça, m'dédou, oui. M'dédou que la production nationale, on prend au cours de ces 30 dernières années, c'est malandrin seulement le produit. Quand, par exemple, quelqu'un est sénateur de la République, vous êtes sénateur, porteur d'un chapeau noir en tête ou représentant tout un département et ou représentant peuple là et pour jeune moyen ou entrer dans en toilette ou pour un bouquet et déchets pour aller s'y mettre dans le siège pour toi hier. Mais c'est grave. Je dis à la par exemple, Disney qui était yo, yo obligé de recoller morceaux que yo t'a fait. Nèg qui t'a crasé tout ban yo dedans. Craser le bureau, jeter poupou, jodi à la, mais tout, y a cherché un petit côté, un petit ministère pour fouer quoi yo, pour y aller faire même vagabondage là encore. Parce que ce qu'on fait, c'est l'on a toujours fait. Alors, dans ce sens, ça, mettre là, moi, je dis que le peuple haïtien a besoin d'autre chose. Je prends le cas, par exemple, de M. Ariel, qui vivait dans une situation ça, je suis presque indépendant de sa volonté. Puisque Jean Baye la mamie dans ta bouillie, eh bien, voilà, il s'est retrouvé comme ça, un beau matin, président, premier ministre, etc. Mais là, il peut faire preuve de patriote et de citoyen. À travers les actions? Non seulement à travers les actions, mais en rassemblant le peuple haïtien autour d'un idéal que nous t'ai commencé à construire. Il a l'opportunité de le faire aujourd'hui. Ce n'est pas une question de se marrer avec deux, trois énergumènes. Non. Il faut élargir l'espace de construction, l'espace de dialogue, l'espace de débat pour nous construire quelque chose. Nous n'avons pas qu'à continuer à vivre dans ça, à vivre là-là. C'est de la malpropreté liée. Tant au niveau psychologique qu'au niveau physique, maintenant, bagaille raide, nous devons faire quelque chose. Et ce n'est pas étranger pour qu'il fasse pour nous. Ce quelque chose-là, c'est nous. Écoutez, ça ne veut pas dire à un certain moment donné, nous ne pouvons pas trier sur le volet certains amis étrangers qui puissent nous aider et nous éclairer sur certains points. Non, parce que le monde dans son planète lié, je dis. Ouais, donc, par conséquent, on peut toujours. Mais la responsabilité revient aux Haïtiens. Et c'est à nous. Et c'est pour ça que l'appel que je lance aujourd'hui, je sais que je prêche toujours dans le désert parce qu'on ne m'écoute plus. Je suis un petit vieux qui va partir dans un avenir pas trop lointain. Non, bah, ça va dépendre de où. Non, écoutez, donc c'est ce que généralement les gens pensent. Mais par contre, ce que j'ai dit aujourd'hui, ce que j'ai dit, l'opportunité qui se présente aujourd'hui, le président Jovenel est mort pour ses convictions. Ça, je suis persuadé. Il est mort pour ses convictions. Le président Jovenel a été démoli par une certaine presse dans ce pays. Il a crasé psychologiquement, et puis après, il a rivé physiquement, il a démoli. Oui, il est mort comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, que le pays est encore là. Et c'est pour ça que je lance cet appel à tous les Haïtiens. Est-ce que nous avons mouru à genoux, Jean Mouébagay là? Est-ce que nous avons mouru cette descente aux enfers, nous avons quitté le fait comme ça? Est-ce que
cette destruction de personnalité, de peuple, est-ce qu'elle a quitté le fait comme ça? Parce que l'organe, je dis, à tout le monde fou. Moi, par exemple, pour les manifestations, l'église, bon, ici, copé, bon, ici, copé, tout est volé, tout est intérêt, oui, bon, dit, oui, comme si Mnadou, ils étaient en train de défendre le peuple haïtien. Or, on a vu par la suite, mais ils étaient mélangés. Alors, parler de l'église, yo. Pas toutes. Alors, je dis, je veux dire que, à l'intérieur de tout ça, il y a quand même des personnalités, il y a des gens à qui il faut faire appel pour que normalement, on se mette à construire quelque chose qui passe par ce réveil patriotique, ce sentiment de citoyen qui peut permettre que nous changions l'ordre des choses. On a fini, sénateur, et il faut me dire que moi, j'ai un peu d'énergie aujourd'hui. Il y a longtemps, je découvre pas qu'il y a d'énergie à la caillou. On a fini, sénateur, mais avec un petit pensée pour mon capio, parce qu'après l'explosion que fait hier matin, il y a déjà à 54 morts calcinés. Histoire, si on nous fait que brancher la télévision, c'est que c'est un camion citerne qui a gagné gaz à dans. Chauffeur, d'après information, a laissé exempter un moto-taxi, un chauffeur moto, il chaviré et mon yo varé sous camion, on a ramassé gaz, camion explosé. Il y a 54 personnes qui déjà mouru. Il y a l'autre qui brûlait. Qui brûlait. Et là, maintenant, non. L'hôpital Justinien dépassé, il y a lancé maintenant. Ouais. Oui, il y a lancé un SOS par l'autorité centrale. Le gouvernement a annoncé qu'il va décréter 3 journées de deuil national pour les gens qui disparaissent. Bon. Et n'a pas laissé sympathie non pour finir, oui, sénateur. Et pour finir, effectivement, bon, parce que dans le moment ça, c'est quand même. C'est un choc national, c'est un drame national. Donc. Nous découvrons nous bien bas devant tout le monde qui mourit. Hein. Mais en même temps, tout, nous avons lancé appel là par cette manque d'organisation, pays a tellement mal organisé, et ça fait type de bagage à arriver. Regardez par exemple, je dis là, gaz dans le pays qui sont nécessités, ont besoin de première nécessité, et bien, il vient tant que cocaïne dans le pays. Ça veut dire que nous avons couru sur un tant que gaz campé un côté, eh bien, moun n'a pas avant chance pour vous, c'est 54 moun qui mourent. C'est parce que bah, la fête dans la nuit. C'était la journée pour tout négatif qui te nomme, etc. Ouais, quand c'était moun qui était à mourir dans bah, ça. Donc, nous présenter bah, nation, hein, premièrement, sympathie nous, et bah, famille, tout le monde qui mourir. Hein. Mais en même temps, tout, faut nous profiter pour nous dire que il y a effectivement un besoin d'organisation. Dans le pays, il faut la rue organiser, il faut que les choses changent. Les choses ne sont pas capables les gens pour aller. Tout le monde a couru moto sans casque, il a couru moto avec sa patte dans le pied, il a couru moto débraillé. Tout... Mais même dans le pays, il a tourné un véritable savant maintenant. Ce sont des choses graves. Alors, moi, j'ai dit une chose très simple. Nous pouvons mettre, utiliser les institutions qui existaient, faire appel. Ah, ce rassemblement communautaire des Haïtiens, pour toucher et moël haïtien pour connaître que on peut pas qu'à vivre dans état ça. Ça veut dire que c'est pas un appel que je lance pour le craser, briser, mais je lance un appel vers ce rassemblement nécessaire pour nous mettre l'ordre dans bagayou, créer un l'état qui a satisfait tout le monde, qui a accompagné tout le monde. C'est ça nos besoins, je veux dire. Et c'est cet appel que je lance à tout un chacun. Les 3 groupes qui se disent, qui ont cet accord, je leur demande de faire ce dépassement de soi en nous mettant pays à d'abord au centre des discussions. Le peuple haïtien au centre des discussions. Et puis après, on verra. Merci, sénateur. Et dans nos métropoles, m'a présenté sympathie. Bay moun nan nord moun au cap haïtien qui est victime de drame ça matin nous dit déjà pour de 54 morts et c'est vraiment un désastre, c'est un vrai drame qui est cap haïtien. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point
de Métropole. Notre invité, c'était le pasteur Andris Richer. L'église est en forme jusqu'à présent? Pas mais ça. Les deux et ton petit bâtiment, maman. L'église où? Tu vas aider, maman. Oui, vous n'avez pas le moment brûlé. Faut camper. Donc, la dernière fois, je me suis dit que j'avais signé un accord avec l'église méthodiste. Donc, c'est... Et vous prenez la relève, vous n'êtes là. Oui, c'est les méthodistes qui sont là-dedans, donc... Merci, sénateur, merci. Moi, j'avance lentement vers, tu vois, ma petite retraite. OK, très bien. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Loto.